Alors, je m'appelle Rodolphe Sefo, j'ai 28 ans, je suis éducateur technique et sportif au centre d'adaptation à la vie active. Alors, ma passion de la mer, elle est venue tout simplement parce que j'habite à côté du club de voile dans lequel j'évolue aujourd'hui, dans lequel j'ai la chance de travailler. Donc, depuis tout petit, je voyais passer des bateaux à côté de moi et forcément, très rapidement, j'ai été dans l'eau. Et c'est vrai qu'on m'a aussi donné la... Enfin, j'ai rencontré de bonnes personnes qui m'ont aussi permis de pouvoir aujourd'hui vivre ce rêve-là. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir quasiment les pieds dedans tout le temps. Après, peut-être que si j'étais en Bretagne, ce serait peut-être pareil aussi. Bon, après, on évolue aussi en fonction de ce qu'on va avoir autour de nous. Alors, au début, ma mère, elle ne voulait pas du tout que je fasse ça. Mais après, comme malheureusement, encore beaucoup de Guadeloupéens, c'est encore un petit peu compliqué pour nous, cette ouverture à la mer. Quoique ça évolue beaucoup, ce qui est vraiment très bien. Donc, au début, ça a été un petit peu compliqué entre elle et moi. Mais c'est vrai qu'elle a vu que j'aimais vraiment ça. J'étais vraiment accroché. Donc, elle m'a laissé un peu vivre ma passion rapidement.